mo mesano te kulu yo yebingai lokola mo lelita mo nyonso na yemi c'est la crucifixion, n'est-ce pas? Amen. Dans la crucifixion, nous montre la Pâque, c'est l'agneau, le véritable agneau de Dieu qui a été immolé. Pour la Pâque, et son sang nous a servi d'expiation, n'est-ce pas? Amen. Nous allons continuer ce que nous avions commencé le vendredi dernier. Et nous remercions le Seigneur pour le Sunday School et les chants. On a commencé avec. C'était quoi le cantique? Le premier cantique? Non, pas pour le Sunday School. Il y avait le deuxième cantique là, c'était le Dieu puissant, c'est Jésus. Amen. Donc, il est le soleil de la justice. Quand nous parlons de la Pâque, nous parlons du lever du soleil. Amen. Vous savez, pendant l'hiver, c'est la mort. Ok? C'est la mort et les arbres attendent le lever du soleil. C'est durant le printemps que le soleil réapparaît et ça ramène toujours la vie. Amen. Donc, quand nous parlons du lever du soleil, c'est-à-dire que nous parlons aussi de la résurrection des morts. Amen. Ce sont des choses qui sont difficiles à croire, mais nous devons le croire pour être sauvés. Amen. Amen. Sans plus tard, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Romains, au chapitre 11. Au chapitre 8, pardon, nous allons prendre le verset 11. Vous avez vos Bibles? Nous allons arrêter de projeter les Bibles. Chacun doit amener sa Bible. Amen. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Nous allons prendre Malachie chapitre 4. Nous allons commencer par celui-là. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai, Élie les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi le soleil levant, toi qui illumines, Seigneur, nos cœurs, nous t'appelons, Seigneur, en ce moment, ô Dieu, que tu amènes ta lumière éternelle, ô Dieu, afin que nous puissions être ôtés, Seigneur, des ténèbres de la Odyssée, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, Père bien-aimé, voir, Seigneur, tout ce qui a été prévu dans ta pensée, ô Dieu, tout ce que tu avais programmé, Seigneur, Père bien-aimé. Et ceci, Seigneur, ce n'est que pour les élus, ô Père. Combien nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour l'élection, ô Dieu, de ce que tu nous as choisi, Seigneur, afin d'être le peuple qui entendra le nom du Maître et la voix du Maître dans cet âge. Béni, Père, la lecture de ta parole. Béni, Seigneur, tes enfants ici présents. Au nom précieux et parfait de Jésus-Christ, notre Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. Pour que ce soit que le Seigneur nous bénisse. On a lu Romains chapitre 8, le verset 11. C'est ce que la Pâque devait faire, n'est-ce pas? Pour vivifier nos corps mortels. Ça ne veut pas dire que nous n'allons plus mourir. Non, simplement vivifier. Amen. Nous allons voir vivifier selon le frère Branham. Frère, il était trop malheureux. Comment? Vivifier selon le frère Branham,
C'est simplement assujettir cette chair à la parole de Dieu. Et nous allons voir. Et voilà, le titre, c'était la véritable Pâque, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit que Jésus-Christ, pour nous, la Pâque, c'est la résurrection de Christ après les âges de l'Église. Amen. Parce que le frère Branham a prêché la prédication qu'il a intitulée l'accusation. Et dans cette prédication, le frère Branham est en train d'accuser les clergés d'aujourd'hui d'avoir crucifié Christ pour la seconde fois. Ou au niveau de la chair. Amen. Et le frère Branham dit que Jésus-Christ est mort 7 jours et il est ressuscité le 8e jour. Amen. Or, l'espoir de tout un peuple, c'est la résurrection de Jésus. Amen. Pas la résurrection après les 3 jours, mais la résurrection après les 7 jours. Amen. J'ai pris Malachie chapitre 4. Nous allons encore répondre ça, Malachie chapitre 4. Vous savez, Malachie chapitre 4, c'est très profond. Quand on parle de ça, les gens voient directement sur le frère Branham. Mais dans Malachie 4, yes, sir. Il y a le soleil de la justice. Amen. C'est Malachie 4 qui exprime, n'est-ce pas, la Pâque. La véritable Pâque. Amen. Parce qu'ici, on nous parle du lever du soleil. S'élèvera le soleil de la justice. Avec la guérison sous ses ailes. Nous étions malades dans les âges de l'Église. On a été mordus par les serpents anciens. Le Léviathan, le serpent serpents. Et on avait besoin de la guérison. Et la promesse a été faite qui est au temps de la fin. Il y aura un arbre qui aura des feuilles. Et son feuillage servira à la guérison des nations. L'arbre épouse. L'arbre épouse avait des feuilles. Et les feuilles de l'arbre épouse servaient pour la guérison des nations. Et nous voyons que la Bible dit, mais pour vous, ce n'est pas pour tout le monde. Yes, sir. Pour vous, amen, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Donc le lever du soleil, ce n'est pas pour tout le monde. Yes, sir. C'est pour nous. Amen. Les élus de Dieu. Amen. Les élus de Dieu. S'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Or ici nous voyons le soleil n'a pas des ailes. Maman. Donc ce n'est pas le soleil que nous voyons là-bas. Uh-huh. C'est un autre soleil, yes, qui vient avec les ailes. Mm-hmm. Pourquoi? Il y a la guérison sur les ailes. Mm-hmm. Il dit, vous sortirez. Alors pour sortir, il faut sortir de quelque part. Mm-hmm. Vous sortirez d'où? Amen. Alors le message du septième ange, c'est comme le message de Noé, qui sert à appeler le peuple hors de l'Odyssée. N'est-ce pas? Yes, sir. Il est messager prophète. Il était le messager dans les âges de l'Église. Et en dehors des âges de l'Église, il joue son rôle du prophète. Amen. Pour appeler un peuple hors d'Égypte. D'ailleurs, le frère Branham dit ceci, que si je vous apportais un message pentecôtiste, je serais dans la Odyssée. Et ça ne serait pas juste. Amen. Yes, sir. Donc le message de frère Branham, ce n'est pas un message de la Odyssée. C'est un appel à sortir. My. Amen. Il dit, vous sortirez et vous sauterez. Donc on est d'abord appelé à sortir et sauter. Tourna roca roca, tourna papa papa. C'est la nouvelle Jérusalem qui arrive. C'est dans la nouvelle Jérusalem que nous sautons, que nous chantons. C'est pourquoi? Parce que c'est le lever du soleil. Vous sauterez comme les voix du Éternel. Ok? Maintenant il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb, pour qui? Pour tout Israël. Donc le lever du soleil, ce n'est pas simplement pour les gentils. D'ailleurs, ce n'est même pas pour les gentils. Amen. Parce que les gentils, c'est l'épouse qui arrive avec l'époux. Amen. C'est le retour, parce que la nuit de gloire, ce n'est pas le départ. Les autres disent que la nuit de gloire arrive pour nous enlever. Non, monsieur,
L'agneau de gloire, c'est le retour de l'homme de Dieu. Yes, sir. My. Parce que ce que nous appelons l'homme, c'est un animal. Ce que Dieu appelle l'homme, c'était la théophanie. Yes. C'est le retour de théophanie. C'est-à-dire le soleil de la justice qui revient. L'époux et l'épouse, le roi et la reine. Amen. Prophète Henri l'Euphrate. Amen. Le fleuve dénominationnel qui a cloué Jésus-Christ dans une prison. Ah, cet esprit cloué dans une prison. Une des jeunes frères va nous le dire. Mais lorsqu'il revient, c'est la plénitude de la parole. Amen. C'est là où nous allons sauter comme des veaux. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en aurait pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai frère Branham. Amen. Dites amen. Amen. Remplacez X par sa valeur. Mais là, on nous parle, n'est-ce pas? Comment ça va? On ne peut pas lire la Bible et puis aller à Mando manger l'hamburger. Quand vous lisez la Bible, ça dit vous l'étudiez. Le frère Branham, il est Malachi chapitre 4. Pas 4 et 5, non, il est chapitre 4. Du premier au dernier verset. Il dit, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est-à-dire que c'est le frère Branham qui se réfère aux ordonnances qui ont été prescrites par Moïse pour tout Israël. Vous ne voyez pas que le frère Branham est inclus dans l'appel des Juifs? Amen. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Pourquoi? Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Et les enfants vers leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays interdit. On a parlé de ça, n'est-ce pas? Il va faire deux choses. Yes, sir. Il va ramener les cœurs des enfants vers les pères. Les pères vers les enfants. Ah, mais frère Eric, Jean-Baptiste a fait la première partie. Non. Lui, il a ramené les cœurs, n'est-ce pas? Des pères aux enfants. Et puis, il est parti. Ouais. Mais il y avait encore le cœur des enfants. Amen. À ramener vers les pères. Amen. Mais le reste de 144 000 devait aussi être ramené. Yes. Mais là, on donne une promesse. Ça, d'ailleurs, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Les Juifs croient dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Amen. Donc, retenez ça. Le soleil et le vent qui exprime la Pâque, la véritable Pâque, c'est dans Malachie chapitre 4. Et cela a une connexion avec le frère Branham. Or, le frère Branham avait un ministère. Il était un messager, n'est-ce pas? Après, il était aussi un prophète. Un prophète, c'est pour accomplir les trois intimes. Mais après ça, il devait être amené. On devait l'amener au désert. Pour faire quoi? Pour les oindre, en fait de l'envoyer comme un le promis. Or, nous connaissons bien le promis, c'est Christ. Amen. 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 Je vais dessiner quelque chose ici là. Nous avons la pyramide. Faisons ceci. Ok? Nous avons l'âge de Fès. L'âge des. Les suivants. Travaillons ensemble. Les suivants. Smin. Et après? Tartu. Non, on écrit. Frère Félix, pas toi. Les Fès. Félix, pas toi aussi. Smyr, après? Non. Pergame. Frère Noël. Taïtil. Non. Pergame. Pergame. Après Pergame, Thyatire, n'est-ce pas? Après Thyatire, là où c'est pas. Philippe. Sardis. Sardes. Après Sainte Philadelphie.
Amen. Et si nous voyons Jésus dans son premier ministère, ici c'est dans l'histoire des Juifs, n'est-ce pas? Non. Et nous voyons que la parole a été captive dans les âges juifs jusqu'à ce que Jésus-Christ est revenu, qui était lui-même la plénitude de la parole, n'est-ce pas? Dans la pleine lumière, Jésus-Christ était le soleil levant pour la dispensation juive. Quand il est venu, quand il a fini le travail avec les juifs, il est entré dans les disciples, il a rencontré Paul sur son chemin de Damas, et Paul a commencé le premier âge de l'église, n'est-ce pas? Quand ça a commencé, c'était bien. C'est pourquoi on montre la guerre d'Éphèse avec les mains, n'est-ce pas? Comme des barres de fer. Le frère Branham dit qu'il ça montrait les intentions de tout écraser. C'était quoi? C'était pas encore une doctrine, c'était. Non. Le frère Branham dit le nicolaïsme, jusque-là, c'était pas encore une doctrine dans le premier âge. C'est devenu une doctrine après. C'était l'onction du cheval blanc. Tout avait bien commencé. Et quand on arrive dans la Smyrne, qui veut dire, n'est-ce pas? L'amertume. On a commencé à massacrer les chrétiens. Et la parole a commencé à mourir. Quand on est arrivé dans l'âge de Pergame, qui exprime le mariage, ce n'était pas un mariage autogamique, c'était la monogamie. Parce que l'Église a épousé les dogmes et les credos. L'Église s'est mariée avec le monde. Et cela a produit la mort. Amen. Amen. Et la mort a existé dans les deux âges. Le frère Branham appelle ça le millénium catholique. Amen. Amen. Entre Pergame et Thyatire, c'était la mort de Jésus. Et la résurrection a recommencé encore au temps de Luther. Amen. C'est Luther qui avait contesté l'Église catholique. N'est-ce pas? Après avoir changé le nom de baptême ainsi de suite, Luther est venu pour commencer à contester. Il a vu une partie de lumière, le soleil est apparu un peu. On arrive à l'âge de Philadelphie, John Wesley nous a amené la sanctification. Amen. On arrive à l'âge de la Odyssée, les pentecôtistes et Azusa Street, ils ont ramené les dons, n'est-ce pas? Mais, il restait encore quelque chose à arriver, c'était la pierre de fête. Mais entre la pierre de fête et la Odyssée, il y a le Saint-Esprit. Debout dans la brèche. La brèche entre les sept âges de l'Église et les sept sceaux. Amen. Amen. Le frère Branham a bien classé les choses. Il dit, mon devoir à moi, il dit, ces jours il devait prêcher. Les jours qu'il avait prêché, je crois la prêche, si je ne me trompe pas. Il sort en retard. Il dit, pardonnez-moi parce que je suis en retard. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'étais en train de célébrer un mariage au bureau. Amen. Amen. Il dit, c'est le rôle que je devais jouer ici sur la terre. C'est d'être l'officier du mariage. Entre Christ et son épouse. Ça, maman. Donc, il devait connecter la tête avec le corps. Yes, sir. Jamais, au grand jamais, que la tête ait déjà descendu, que nous puissions encore attendre l'enlèvement, quelque chose qui est dans l'âge de la Odyssée. Amen. Amen. Parce que quand on arrive ici, c'est le lever du soleil. Christ n'est plus mort, il est vivant, il est sorti d'entre les morts. On ne doit plus amener les aromates pour l'embaumer. Amen. Parce que la promesse a été faite qu'il sera ressuscité après 7 jours. Amen. Et quand nous arrivons au lever du soleil, c'est un Christ qui n'est plus dans les âges d'église. Il est sorti des âges d'église. D'ailleurs, le frère Branham nous dit qu'il se tient à la porte et il est en train de frapper. Celui qui frappe n'est pas dedans.
Celui qui frappe, il est dehors. Amen. Ce qui prouve que Christ était déjà sorti des églises. Il nous a prêché quoi, les rois hein? Rejetés. Frère Baron dit, il a été mis hors de l'église. Voilà pourquoi dans l'âge de la vie, c'était carrément les ténèbres. N'est-ce pas? C'était le blackout. Donc tout ça, c'était comme une tombe pour Jésus. C'est ce qui exprimait l'arbre épouse. Nous allons lire le frère Baron. C'est pas bien de beaucoup parler, il faut lire le frère Baron, n'est-ce pas? Dans la prédication de l'accusation, frère Baron dit ceci. Que Dieu soit béni de voir cette merveilleuse lumière céleste en ces derniers jours. Amen. En effet, les églises font la même chose aujourd'hui. Jusqu'à l'heure où la religion organisée a été condamnée et où il a été prouvé qu'elle sacrifiait la parole de Christ. C'est à partir de ces moments-là que vient la parole. Et la parole seule. Au jour de la crucifixion, c'est à partir de là que l'ancien agneau pascal a disparu. Et que Christ est devenu notre agneau. De même, le jour où la dénomination a crucifié la parole de Dieu et accepté un credo au lieu de la parole, c'est ce jour-là que la parole a pris pleinement effet. C'est arrivé tout dernièrement. Donc le lever du soleil montre la fin de la dénomination. C'est ça que Jésus-Christ a dit. En ce jour-là, il dit, si vous croyez en moi, vous passez de la mort à la vie. C'est-à-dire vous passez de la dénomination à la parole. Parce que dans les âges de l'Église, il n'y avait pas de parole. Parce que la parole de Dieu, c'est comme les grains de sénévé. C'est ça que Jésus a dit dans la parabole. Il dit, le royaume, c'est comme les grains de sénévé. Pourquoi? Femme madame, le grain de moutarde, ça ne se mélange pas. Amen. Femme madame, on ne peut pas mélanger l'huile avec de l'eau, ça ne marchera pas. On ne peut pas mélanger l'argile avec le fer, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi, autant de Dieu, comme il y avait un mélange, il fallait qu'il y ait la pierre de fête qui descend pour briser le mélange. Amen. Frère Branham dit que les âges de l'église, la statue de Daniel exprimait les âges de l'église. Ça devait être brisé par la pierre pour écarter cette chose. Qu'est-ce qui arrive? Quand la pierre descend, la pierre ne se mélange pas avec la dénomination. La pierre devient une grande montagne. Amen. Ça dit, c'était ça le royaume. Parce que dans les âges de l'église, il y a eu quoi? Il y a eu le sceau, n'est-ce pas? On nous en bref. Ça, c'est, tout ça, ça formait les quatre sceaux. C'était du premier, ok? Au quatrième sceau. Or, le quatrième sceau a été représenté par un cheval pâle. Ok? Amen. Et il devait être combattu par le cheval, par l'aigle. Amen. Ok? Or, c'était ça la mort. Tous les sceaux représentaient les chevaux qui exprimaient la mort. Le premier exprimé, c'était le cheval blanc. C'était un hypocrite. Il avait l'arc sans flèche. Les deuxièmes, c'était le cheval roux, le sang. Là, les Sumériens, ils ont massacré. Dans les âges Sumériens, les Pergames là-bas. Et le second, c'était le cheval noir, qui avait disparu une balance entre ses mains, qui vendait les indulgences, qui vendait les neuvaines. Il vendait les saluts aux gens. Un mensonge, c'était la mort. Et quand on arrive à l'âge de là-bas, nous avons le cheval pâle, qui est l'ensemble de tous les chevaux. Amen. C'est-à-dire que tous les anges de l'église, c'était simplement la mort. Et ce qui sauvait les gens dans les anges de l'église, c'était l'agneau qui était sur le trône. Voilà pourquoi on nous dit que après l'ouverture de saut, l'agneau doit quitter le trône. Parce qu'il n'a plus d'intercession. Il intercédait à cause de l'ignorance. Amen.
L'ignorance, c'est la mort. L'ignorance tue. Les hommes étaient tués à cause de l'ignorance. Voilà pourquoi, à la descente de la pierre de fer, il fallait qu'il y ait tout le monde. Même Israël. Toutes les réserves devaient sortir pour accueillir le livre de la rédemption. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le livre de la rédemption doit être ramené par Dieu lui-même, parce que c'est lui qui détenait ça. Parce que les messages de Satan ne pouvaient pas tenir le livre. Ça devait être Dieu lui-même. Et comme c'est Dieu lui-même qui détenait le livre, c'est lui-même qui doit descendre pour nous ramener le livre. Alors quand il descend, il met le dernier ennemi sous ses pieds. Quel est le dernier ennemi? La mort. Amen. C'est-à-dire que l'organisation. Amen. Il a vaincu la tombe. Il a laissé une tombe vide. Les anges qui sont là, mais c'est vide. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Parce que si nous continuons à voir la Pâque comme les pentecôtistes, on est encore les païens. Amen. Tu peux pourtant aller visiter la tombe de Jésus, là c'est vide. Gloire à Dieu. Mais la véritable tombe, c'est ça. Déjà qui se trouve encore dans la tombe. Quand on dit que nous attendons l'enlèvement, cela veut dire que la personne est encore dans la Odyssée. C'est encore un mort. Est-ce que tu peux discuter avec le mort? Non. Il a besoin de la lumière. Amen. Donc, ils n'ont pas encore vu le sept sceaux. Parce que le sept sceaux, c'est le lever du soleil. Des fois, maintenant, vous prêchez la prédication qui l'institue, c'est le lever du soleil. Oh, quand les lumières arrivent, qu'est-ce que ça fait? La présence de la lumière dissipe les ténèbres automatiquement, sans négociation. Quand vous entrez dans une chambre sombre et que vous allumez la lumière, automatiquement les ténèbres disparaissent. Oh, les diables, c'était les ténèbres. Comment est-ce que les diables seraient encore là à la présence de la lumière? C'est impossible. Voilà pourquoi nous disons que le quatrième but, c'était, n'est-ce pas, de mettre fin au péché. Quand il vient, il prend Satan, il va le lier dans la prison des circonstances. C'est-à-dire que les gens ne seront plus incrédules à la parole de Dieu. Amen. Le diable est lié, pas dans la chair. Le diable est lié dans l'âme. Frère Branham dit, la chair aura toujours la nature d'un cratéron. Mais dans l'âme, il y a le soleil de la justice qui est en train de briller. La grande lumière est venue, nous sommes sortis des ténèbres. C'est là où Jésus est ressuscité de mort. Amen. Dans les âges, dans les sept âges de l'église, la statue l'ont pas fait, pardon. Il dit, vous vous rappelez, l'arbre épouse, vous vous rappelez les serments sur l'arbre épouse, ils l'ont dévoré jusqu'à sa base. Qui a dévoré l'arbre? Ce sont les insectes. Frère Branham dit, c'était la même insecte, mais sous différentes étapes. Ce qu'a laissé les catholiques, les luthériens l'ont dévoré. Ce qu'a laissé les luthériens, les méthodistes l'ont dévoré. Ce qu'a laissé les méthodistes, les pentecôtistes l'ont dévoré. Amen. C'est pourquoi dans Malachie 4, on nous parle de la restauration. C'est pourquoi il fallait que ce soit Élie. Parce que c'est Élie qui a la mission de restaurer l'autel. Amen. C'est-à-dire que durant les âges d'église, l'adoration n'était pas possible. C'est jusqu'à ce que le soleil levant reviendra. Et que Élie sera là, c'est lui qui va rétablir l'autel. Amen. Ce ne sont pas les églises de Dieu, c'est les églises de Satan. Ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus là-bas, où on cite le nom de Dieu, que c'est une église de Dieu. Non, ce sont les églises de Satan. C'est ça même qui exprime l'insecte qui a dévoré l'arbre épouse. Ils ont amené les dogmes et les credos. Ils ont amené des concepts différents par rapport à ce que Dieu avait dans sa pensée. Voilà la raison des guerres aujourd'hui. Les gens sont venus dans les messages avec les anciens concepts. Mouvement interdénominationnel. Parce que dans les messages, nous avons les pentecôtistes, nous avons les luthériens, nous avons les témoins de Jéhovah. Amen. Nous avons même la religion judaïque dans les messages. Les gens qui croient aux choses physiques. Amen. Comme le judaïsme, quand ils sont sur
sorti de l'Égypte, on les a dit que vous allez entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Il fallait qu'ils sortent. Dieu vous enverra un prophète. Ils attendaient. Moïse est venu, étant un prophète. Alors ils ont commencé à marcher naturellement. N'est-ce pas? Une marche de quelques années. Naturellement, ils marchaient. Naturellement. C'était normal, c'était le premier exode. Du naturel au naturel. Mais la chose surprenante était que, quand ils sont arrivés à la terre promise, il n'y avait pas de rivière de lait. C'est la promesse. Là où coulait le lait et le miel. Mais il n'y avait pas de rivière de lait. Il n'y avait pas de rivière de miel. Ça n'existait pas. Quand ils sont arrivés là-bas, il n'y avait pas la paix. Depuis qu'ils étaient là-bas jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de combattre. Alors voilà pourquoi ils se sont dit, en tout cas, quand le Messie viendra, finir la bataille. Amen. Fini les troubles. Nous attendons le Messie. Voilà pourquoi ils étaient dans l'expectative du Messie. Quand il revient, il viendra le Messie, tout sera ok. Alors Jésus est venu, la bataille continue. Les Romains étaient sur place, en train de les massacrer. Ils ont dit non, lui, il n'est pas le Messie. Non, c'est pas possible. C'est là la promesse. Et quand le Messie viendra, d'abord les précurseurs. Et quand il viendra, les vallées vont être remplies, les montagnes vont s'aplanir. Et le frère Bonhomme dit ceci. Il dit, lorsque Jean était en train d'apporter son message à la rivière du Jourdain, il dit, c'est là que les montagnes s'aplanissaient et que les vallées se remplissaient. Amen. Frère, quel est le rapport? Là, il faut être élu pour le croire. Yes, alors les Juifs ont regardé les parents et l'autre, il y a eu des montagnes et des vallées. Ils ont dit, non. Mal. Et ils pensaient qu'il y aurait des grands tracteurs qui viendront pour raboter la terre, yes, pour rendre Israël plat. Ah. Ce n'était pas le cas. La promesse accomplissait dans la rivière du Jourdain. Quand il disait que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le frère Branham dit que c'était pour préparer les cœurs. Amen. Les choses de Dieu sont spirituelles, frère. Amen. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui est important dans l'homme, ce n'est pas la chair. L'apôtre Paul dit, en fait, vous soyez conformes à l'homme de Dieu. Amen. Donc la parole vous amène à la statue de l'homme de Dieu. Dieu veut vous voir tel que vous aviez été dans sa pensée. L'homme a été dévoré par les insectes. Il les a émondés. Ils ont commencé une autre église. Ok? Des branches dénominationnelles. Il les a émondées. Comment on émonde un arbre? Si vous allez dans le vignoble, on a parlé de la vie récemment ici. Un vignoble, qu'est-ce qu'il fait? Il va émonder. Il coupe des branches inutiles qui empêchent la croissance de l'arbre. Amen. C'est ce que Jésus a fait au cours des âges. Il a coupé les branches inutiles qui empêchaient la croissance de l'arbre. Les méthodistes, coupaient les pentecôtistes, tout. Il les a émondés, mais le cœur de cet arbre a continué à grandir. Autant du soir, la lumière paraîtra. Voyez-vous, c'est alors que vient qui? Christ, le Saint-Esprit. Jésus descend et s'installe à la tête de l'Église. C'est à la fin. Vous ne pouvez pas parler de la descente de la pierre de fête. Vous ne pouvez pas parler des anges de l'Église après la descente de la pierre de fête. Parce que quand il vient, c'est pour s'installer à la tête. C'est pour coiffer la pyramide. Et tout ça forme le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça forme, après chapitre 19, Christ qui descend avec son épouse. Le verbe descendre, ce n'est pas de haut en bas. Voyez-vous, c'est alors que vient Christ, le Saint-Esprit. Jésus descend et s'installe à la tête de l'Église. Et alors, il ressuscitera cette Église qui est son propre corps. La nature nous enseigne que lorsqu'il y a le lever du soleil, il y a aussi la résurrection. Amen. C'est pourquoi les gens, je parle avec un monsieur, je lui ai dit que Jésus est venu. Alors il me pose une question, il dit, frère, donc tu es dans le millénium? Amen. Pourquoi? Parce que croire que Jésus est venu, automatiquement ça t'introduit. Amen. Tu ne peux pas être dans les âges
Et quand il vient, lui-même, il amène avec lui les milléniaux. Quand il amène ça, lui, il sauve la justice, il amène aussi la résurrection. C'est pourquoi nous parlons aussi de la résurrection des morts. Quand il revient, comme la nature nous enseigne, quand vous plantez, n'est-ce pas, les semences, quand il est levé du soleil, il faut que les semences puissent germer. On a étudié la botanique à l'école. Il faut qu'il y ait germination des semences. Quand le soleil arrive, les semences vont germer. C'est une résurrection. Ce que vous plantez est mort. La semence qui était sous la terre doit mourir, doit pourrir. Et ça va produire une résurrection. C'est le lever du soleil. Mais si vous plantez la semence sous, ou bien quelque part là où il n'y a pas la lumière, il y aura pas, la semence ne va pas ressusciter. Un jour, le frère Bonhomme, il disait que je vais aller planter quelque chose comme ça. Il devait aller planter quelque chose. Les patates, quelque chose comme ça. Et son père lui a dit, tu ne vois pas qu'il n'y a pas de soleil. Lui, il dit, je ne vais pas le planter au soleil, je ne vais pas sous la terre. Alors, le frère Bonhomme, son père lui dit, s'il n'y a pas de soleil, il n'y aura pas, ça ne va pas germer la semence. Amen. Donc, on ne peut pas parler du lever du soleil et que le mort soit encore dans la tombe. Les morts doivent sortir de la tombe, mais il s'agit de quel mort? Notre problème aujourd'hui, c'est le problème des concepts. Frère Bonhomme dit que les tombes vont s'ouvrir, mais pas de la manière dont vous vous pensez. Amen. Voilà pourquoi on dit que en ce jour-là, les gens diront, mais il devait y avoir un enlèvement. Alors on leur dira, c'est déjà passé. Yes, sir. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un autre concept. Yes, sir. Parce que si les gens connaissaient réellement l'enlèvement, personne n'allait ignorer ça. Si l'enlèvement, c'est ce que nous pensons. Mais si les gens parlent comme ça, tout le monde saura. Ouais. Ça ne sera pas une surprise. Yes, sir. Amen. Donc c'est-à-dire qu'on avait une mauvaise compréhension de l'enlèvement. Yes. Une mauvaise compréhension de la résurrection. Jésus est mort. La Bible nous dit que les sépulcres étaient ouverts. Les anciens, les saints de l'Ancien Testament, tous sont ressuscités. Le frère Branham dit même qu'Caïphas a vu Abraham et Sarah. Et ils ont dit, écrivez-nous parce que Caïphas va nous voir. Mais aujourd'hui, où est Sarah et Abraham? Ils sont où? Et après quelques temps, Pierre est mort. Fausse doctrine. Hein? En principe, s'ils étaient ressuscités, Pierre devait mourir. Pierre devait demeurer jusqu'à aujourd'hui. Les gens étaient conscients, ils devaient être là. Mais comment est-ce qu'ils sont encore morts après la résurrection des autres? Est-ce qu'ils sont morts ou bien sont vivants? Amen. Ils étaient tous ressuscités. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez trouver la tombe de David. Ça est là. Même ses os, c'est encore là. Mais la Bible nous parle de la résurrection des morts. Commencez d'abord à croire ça. Ça vous donnera une image de la résurrection à la fin. Yes, sir. My. Bonne écoute. My. Yes, sir. C'est juste un problème de concept. My. Et là. Quand vous dites que voilà, frère, nous sommes enlevés, frère, mais vous êtes des fous. Et. Vous mangez, frère, vous marchez encore, vous êtes enlevés. Non, c'est juste le concept de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est l'adoption. Monte. On a dit à Jean, monte. Après cela. Après les âges de l'église, on invite Jean à monter ici. Parce que c'est là-bas qu'il devait voir ces choses-là. Au chapitre 4, l'église est montée. Et au chapitre 6, elle est redescendue. Pour la grande bataille d'Armageddon. La guerre des citations. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui sur Internet, là, il y a des guerres des citations. C'est l'Armageddon. Amen. Il y a des guerres des citations pas mal. C'est l'Armageddon. L'arbre a été dévoré. On continue. Quand il a dit, nous sommes dans le deuxième saut. C'est qu'à laisser les Gazans, les asiles l'ont dévoré. C'est qu'à laisser les asiles, les sauterelles l'ont dévoré. C'est qu'à dévorer la sauterelle. N'est-ce pas? Et ainsi de suite, les insectes, l'un après l'autre, étaient venus dévorer cette église jusqu'à ce que finalement, il n'en reste plus qu'une souche. Regardez bien ce qu'ont laissé les Romains. Les luthériens l'ont dévoré. C'est qu'on laissait les luthériens, les méthodistes l'ont dévoré. C'est qu'on laissait les méthodistes, les pentecôtistes l'ont dévoré. Voyez-vous si bien qu'elle n'est plus qu'une souche. Donc la chose qui était importante, c'est
conserve la vie de l'arbre. Il est pour lui descendre en bas dans la racine. Quand vous voyez les arbres ici là, durant l'hiver, la sève descend. Le frère nous a parlé de ça. Il est arrivé devant une écriture. C'est comme ça qu'il a converti un homme, vous vous rappelez? Il dit non, moi je ne crois pas en Dieu. Comment ça? Non, je ne crois pas en Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Il dit, oh monsieur, non, le frère m'a été terrible. Il dit, monsieur, c'est pour bien, c'est pour vous. Il dit, oui, oui, oui. Ça fait combien de temps? Non, ça fait 15 ans que ça est là. Vous en mangez sur les pommes? Oui, bien sûr, tu en veux. Oui, oui. Donne-moi. Il prend une pomme, il commence à manger. Il dit, ah, mais c'est bon. Il dit, mais comment est-ce que ces pommes ne meurent pas? Alors le frère, le monsieur, il dit, non, 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 non. Pendant l'hiver, il y a la sève qui descend en bas. Et pendant le printemps, ça remonte encore. Ah, ok. Il dit, mais quelle est l'intelligence qui fait ça, qui pousse la sève, qui dit à la sève de descendre et de remonter. Il dit, le même Dieu qui a fait ça, c'est le même Dieu qui a guéri la femme de l'autre côté. Amen. Le monsieur a dit, tu es Branham. Mm. N'est-ce pas, c'est toi qui as prié pour la femme là. Frère Branham dit, je l'ai baptisé et il est mort en Christ. La nature exprime Dieu, parce que la sève, c'est la vie de l'arbre. L'arbre ne s'inquiète pas. L'arbre s'assure simplement que la sève est là. Frère, dans les anges de l'Église, si Jésus n'était pas dans la racine, c'était la fin. Parce que quand on est arrivé dans l'âge de Pergame et de Thyatire, ça faisait 1000 ans que la parole de Dieu avait totalement disparu. Il n'y avait plus rien. Ce que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas, le baptême de Jésus n'existait pas. Frère Branham dit, la dénomination était devenue comme étant vraie. Donc il n'y avait point d'espoir. Mais Dieu savait, Dieu a suscité Luther qui a ramené la résurrection de la parole. Dans les actes de Christ, Jésus était carrément mort. Tout le monde pensait que pour être sauvé, il faut acheter les neveux. Même il y a les ceux-là, même les élus, il y a les ceux-là qui ont acheté les neveux. Ils ont acheté les indulgences au temps des catholiques. Amen. Mais la vie était sur le trône. Mais quand Luther est venu, la parole a commencé à voir renaître. Philadelphie, ainsi de suite. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à dans le lever du soleil. Mais Jésus, la vie de l'arbre était descendue en bas. Pendant que l'arbre était dévoré par les dénominations, Jésus était en bas. Il était pour lui tranquille. Il savait qu'au jour du printemps, voilà pourquoi il devait naître en avril. Frère Branham dit, Jésus ne peut pas naître en décembre, c'est la saison de la mort. Yes, et de l'autre côté, aussi en Occident, Jésus est aussi né au mois d'avril. Yes, sir. Le 6 avril 1909. Dites yes. Amen. La véritable Noël. My. Amen. Parce que la Noël, ils ont toujours la Pâque. N'est-ce pas? Il dit, voyez-vous, c'est bien qu'il n'était plus qu'une souche. Maintenant, le Saint-Esprit a été captif dans les âges d'Église. C'est ce que fait Madame dit, nous allons lire ça. Non. La fête des trompettes, 207. Pendant que le groupe d'ici en a 200 000 liés sur le fleuve Euphrate, et qu'ils sont liés depuis 2000 ans, il y a aussi cette Église qui a lié le Saint-Esprit depuis près de 2000 ans. Amen. Donc, le Saint-Esprit a été lié par qui? Par les églises. Pourquoi? À cause des mauvais enseignements. Ils ont introduit des dogmes et des crédits, quelque chose qui n'était pas dans la pensée de Dieu. C'était de cette manière-là qu'ils ont lié le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas agir correctement. Il dit, pendant cette période où ils ont eu à subir les martyrs, et pendant les âges de l'Église, il a été lié, pas sur le fleuve de Frat, mais à la porte des credos et des dogmes. Le Frat, c'était le fleuve qui traversait les dogmes. Amen. C'est ce fleuve-là, des dogmes et des credos, qui a traversé les âges de l'Église. Et le fleuve ne devait pas rester là, ça devait tarir. Selon la Bible, pour faire entrer les rois. Parce que quand il revient dans la pierre de fête, il est le roi des rois. C'est-à-dire,
un grand roi avec grand R, et puis un roi avec S au pluriel, des petits rois. Parce qu'au temps de la fin, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. Mais à la porte de créneaux et de leurs communs, si bien que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans l'Église à cause des systèmes faits de main d'homme, mais elle va être libérée. Elle va revenir ce que la Bible dit. Et les deux vont s'affronter sur le champ de bataille. Amen. Au retour du Saint-Esprit, il y aura affrontement. C'est ce que nous parlons, c'est ce que nous appelons l'Armageddon. Dans le champ de bataille, où l'Esprit, corps, âme et l'Esprit. Amen. Le champ de bataille, c'est ici. Mais elle va être libérée. Elle va revenir ce que la Bible dit. Et les deux vont s'affronter sur le champ de bataille. Lucifer et Michael de nouveau. Comme au commencement, ils sont liés depuis 2000 ans. Presque 2000 ans. Amen. Michael doit descendre pour combattre contre Lucifer, qui est la domination. Parce que regarde dans la valise là, dans les plus beaux. Parce que c'est dans les âges de l'Église que le diable a régné. Et quand la parole vient, il y aura une bataille. Il y aura une bataille, n'est-ce pas? Il y aura une bataille par rapport au concept. Ça sera une bataille de concept. Quand on parle de millénium, les autres le comprennent d'une manière et les autres le comprennent d'une autre manière. Et c'est ça qui cause les dégâts. Amen. C'est ça qui cause la bataille. L'Euphrate était le fleuve qui avait traversé les dèves. Le Seigneur a dit que le Saint-Esprit a été lié par le dogme et le credo qui représentait l'Euphrate. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 13, la Bible dit ceci. Le sixième ange sonna la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel, l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, il dit, délie les quatre anges qui sont liés sur le fleuve d'Euphrate. Sur le fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, les jours, les mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de quoi? De 2 milliards et des milliards. J'ai entendu les nombres. Donc là, nous voyons les cavaliers qui entrent. Fais-moi dire, il y a une confusion. Les autres disent que Jésus viendra sur un cheval blanc. Les autres disent qu'il viendra sur une nuée blanche. Il dit, tout ça, c'est la même chose. C'est juste un problème de concept. Là, nous voyons, il revient avec les myriades de myriades. Au cas où il revient avec les myriades de myriades, c'est Apocalypse chapitre 19. Amen. Amen. Or, avant qu'il puisse arriver, il faut que le voile puisse tarir. Il faut que la dénomination puisse tarir. Voilà pourquoi on nous envoie un prophète au temps de la fin qui vient pour restaurer le terre, pour nous donner les vraies définitions, pour enlever les concepts dénominationnels qu'on avait avant. Amen. La foi de l'enlèvement, c'est-à-dire la révélation de l'enlèvement. Amen. Amen. Faire tarir le fait, les dogmes et les credos, les mauvais concepts qu'on avait avant. Et après ça, les rois vont entrer. Apocalypse chapitre 16, verset 12. Il dit, le sixième versa sa coupe sur les grands fleuves, le fait. Il dit, et son nom tarit. Pourquoi? Enfin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Parce que la nuée est venue de l'Orient. Amen. Amen. La nuée vient de l'Orient. Ça vient de l'éternité. Mais quand ça venait, il fallait que le frère puisse tarir. Voilà pourquoi on a envoyé
de recevoir les fruits qui lui venaient. C'était le travail de Jean. Amen. Jean a été envoyé pour préparer le cœur, pour accueillir le Messie qui lui venait. Et au temps de la fin, on nous envoie un prophète qui revient pour donner la vraie définition de la chose, afin de recevoir la parole qui lui est venue. Amen. Voilà pourquoi il devait avoir un enlèvement avant le retour de la parole. Vous êtes avec moi? Le frère va nous continuer. Des noms futurs, par exemple, des 100 mètres. Sept jours, remarquez, qui vont passer, où c'est que je dis, c'est qu'ils vont se changer en autre chose. 8 jours, là, il est question d'une nouvelle création. Amen. Vous voyez, pas d'une ancienne création. 8 jours, c'est une nouvelle création. En effet, c'est le 8e jour que notre Seigneur est ressuscité des morts. Amen. Jésus est ressuscité après 7 jours. C'est dans le 8e jour. Or, quand nous arrivons dans le 8e jour, nous sommes dans la 7e convocation. Amen. On n'est plus dans les anges de l'église. Parce que là, toutes les fêtes sont terminées. Là, tous les anges de l'église sont terminés. Nous entrons dans quelque chose. Nous sortons de cette jonction. Amen. Nous sortons de cette jonction. Nous entrons dans quelque chose. Nous entrons dans la pierre de fête. Après les 7 jours. Si vous sortez de 7 jours, vous entrez dans le 8e jour. Qui n'est que l'éternité. Voilà l'autre convocation que vous avez. La sainteté sans considérer le sabbat du tout. Ou la fête des tabernacles. La fête de ceci et la fête de Pentecôte. Jésus est ressuscité de mort pour notre justification. Le 8e jour. Après les 7 sabbats. Ou 7 jours, 7 âges de l'église. Jésus est ressuscité de mort le 8e jour. Qui est une de ces 7 convocations. Vous voyez qui est quoi? Le premier jour. Le 8e jour n'existe pas. Quand vous allez dans le 8e jour, ça dit que vous retournez au premier jour. C'est là où nous sommes retournés en Éden. Amen. Parce que Éden, c'est d'abord le cœur qui devait retourner vers Dieu. Le travail de Malachie 4. On devait nous ramener le concept qui était dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Ce que Dieu appelait le sang, ce que Dieu appelait l'enlèvement. Dans la même prédication de 125. Vous voyez, vous avez fini de traverser le temps. Il parle de l'éternité. Et vous êtes retourné dans l'éternité. Pas d'observer les jours, et d'observer les sabbats, et les nouvelles lunes, et les choses comme ça. Mais, est passé. Vous avez changé de forme. Écoutez. Pas anéanti, gloire, mais passé de la mort à la vie éternelle. Oh, ce que la Bible nous enseigne. Vous voyez passer l'un à l'autre. Amen. Quand vous passez dans le 8e jour, cela ne demande pas l'anéantissement. Amen. Cela ne demande pas l'anéantissement. Quand vous passez dans la 7e convocation, ça ne demande pas l'anéantissement. Vous passez simplement de la mort à la vie. Il continue. Très bien. Passez l'ancien sabbat. L'ancien sabbat est passé. Jésus est ressuscité le 8e jour. C'était un jour solennel, saint. Et ce n'est pas un jour, en effet, le jour. En effet, le jour, le temps s'était terminé. Amen. Amen. Le temps était terminé. C'est devenu l'éternité. Or, quand le temps termine, c'est quoi? C'est les âges de l'église. C'est là où l'ange descend. Et il dit, il n'y aura plus de temps. Pourquoi? Parce que quand les anges de l'église terminent, Israël est déjà une nation. Le calendrier de Dieu qui exprime les temps, selon Dieu, et l'heure. Quand Israël est une nation, cela se vérifie, madame dit, il n'y aura plus de sauvés du côté des gentils. Qu'est-ce qu'il y aura là-bas? La boucherie. C'est devenu, vous voyez, c'est revenu tout au premier jour. Amen. Le premier jour, c'est lorsque Adam ne mourait pas. Or, ici, Dieu est en train de travailler avec l'âme, pas avec la chair. Concernant la chair, tout le monde doit passer par là. La seule façon pour vous racheter, pour racheter vos
ces éléments, vous devez mourir. Et quand les feux vont tomber, quand ça va brûler la terre, ça va brûler vos 16 éléments et on va récupérer ça pour former un autre physique que vous serez. Amen. Amen. Vous continuez toujours. Peu importe jusqu'où vous allez, vous continuez, vous pouvez commencer à tourner comme ça, à traverser les planchers, traverser la terre, aller au-delà de la terre. Vous continuez simplement. Ça, c'est l'éternité. Amen. Nous parlons de la résurrection. Donc, après les 7e jour, Jésus est ressuscité de mort. Donc là, on a déjà quitté la résurrection des 3 jours, n'est-ce pas? On est déjà dans la résurrection des 7 jours, dans la véritable Pâque. Il dit, et maintenant, que le grand docteur de la parole, le Saint-Esprit, vient sur nous ce soir et se révèle en nous. Et se fasse connaître à nous par la preuve de sa résurrection. Or, si nous parlons de la résurrection, quand Jésus était ressuscité, quand on est parti de son disciple, ils ont refusé la mort. Amen. Thomas aussi a dit que non, moi je ne crois pas. Il faut que je le voie. Quand Jésus est venu, il lui a dit, viens toucher ici. Quand il a touché, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est là que Thomas a cru. Bon, comme Thomas n'avait pas cru d'abord, est-ce qu'il était perdu? Non, il est au ciel. Amen. Aujourd'hui encore, si réellement il est ressuscité de mort, ce n'est pas simplement des slogans, on doit le voir sur scène. C'est-à-dire qu'il fera la même chose qu'il avait fait quand il était sur la terre. Amen. En ce moment-là, on se voit que Jésus est ressuscité de mort. Pourquoi? Parce que dans les anges de l'Église, il ne pouvait pas discerner les pensées. Il ne pouvait pas tourner le dos. Yes, donc quand il tourne le dos, yes, ça dit que ce n'est plus les anges de l'Église. Amen. Ça se passe en dehors. Amen. Amen. Un Jésus qui est ressuscité, qui revient encore, mais dans une autre chair. Amen. Yes, des problèmes. Problème. Amen. Nous mambo. C'est là qu'est prouvée la bataille. Yes. C'est là où les gens se grattent la tête. Où le frère madame dit que est-ce que Dieu fait des choses pour des choses comme ça? Il dit oui, monsieur, pour pousser les autres à partir. Et les autres à se gratter la tête. Frère bonhomme. Puisse revenir parmi nous ce soir et visiter nos cœurs, nous parler à travers ces choses qu'il a promises pour aujourd'hui. Que les paroles promises pour cette heure se manifestent devant lui. Même l'attitude avait changé. Ils étaient maintenant dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il était ressuscité de mort. Aujourd'hui, s'il est ressuscité de mort, on doit le voir dans les œuvres. C'est la seule façon pour le reconnaître. Il doit faire ce qu'il avait fait quand il était sur la terre. Comment est-ce que les gens disent que Jésus viendra? Oh my. Et pourtant, le frère Branham a fait toutes ces histoires-là. C'est là où j'ai parlé de la merci. Les signes et miracles ont été agités devant le peuple du Révolution. Ah, l'église. Non, frère, le frère Branham a simplement manifesté le fils de l'homme. Vous voulez dire quoi? Mais Jésus a manifesté le fils de l'homme. Et Jésus a manifesté le fils de l'homme. Amen. Donc quand Jésus manifestait le fils de l'homme, Jésus n'était pas là. Concept. C'est la compréhension charnelle. Amen. C'est le judaïsme. Ils ne sont même pas dans les deux épisodes. Ils sont dans le premier exode là-bas. Non, le corps corporel de Jésus. Mais cela ne veut pas dire que ça doit être un Jésus barbu. Parce que dans Marc 16, on nous dit que quand il est venu, il est apparu aux disciples sous une autre forme. C'est un Dieu morphe, un Dieu kénos qui change de forme. Il n'est pas con. Il va venir, c'est pas comme ça. C'est moi. Si vous amenez les Jésus au fond d'ici, tout le monde va le reconnaître. Même les païens. Même les pentecôtistes. Quand les pentecôtistes disent que préparez-vous parce que Jésus vient de vous pensez, il parle de quel Jésus? C'est de ce Jésus-là. Alors, si le frère Branham devait venir pour nous présenter ce Jésus, alors les pentecôtistes n'ont pas besoin de frère Branham. C'est vrai. Il va leur présenter quel Jésus parce qu'il connaît déjà Jésus. Amen. Amen. Et nous sommes assurément arrivés à cette heure-là. Père, où les hommes sont éprouvés et il y a tellement de points de vie différents que pratiquement personne ne sait ce qu'il
Mais je te prie, Seigneur, de nous faire connaître ce soir que tu es ici et avec nous, présent pour nous aider, exauce nos requêtes. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. La résurrection de Jésus, on a dit. Jésus donne la commission. C'est en anglais, il dit, go into all the world, preach the gospel to every creation. That's one commission, that's right. Billy Graham Church, the scripture must be fulfilled. It's got to come to pass. And if we turn it down, God will raise up somebody else to do it. Amen. That's right. We are healed. May God open our eyes tonight. Que Dieu puisse ouvrir nos yeux ce soir. Amen. Si le frère Manon disait ça, il voulait dire quelque chose. Il disait parfois, oh Seigneur, fais en sorte que les gens puissent le voir. Que c'est Jésus qui s'est ressuscité qui est ici. Amen. Le frère Manon était la preuve que Jésus n'est plus mort, il est ressuscité entre les morts. La raison de son ministère, c'est pour prouver que Jésus est vivant. Amen. Ce n'est pas la guérison des filles. Il devait discerner les pensées, l'ouverture de la parole. That's right. Il dit, 2000 years practically has passed since his resurrection. But he's right here in this building tonight, just the same as he was in that little restaurant at Emmaus. Il est le même aujourd'hui dans cette building comme il a été dans ce restaurant-là à Emmaus. Amen. À Emmaus, il était comment? Avec la forme de Hoffman, hein? Non. Avec une autre forme. Yes, sir. My. C'était pas Jésus Hoffman. C'était déjà une autre forme. Il dit il est ici de la même manière qu'il était là-bas. Ouais. À Emmaus. Et là. God grant that he will do something tonight, right here in your midst, like he did back then. C'est le seul signe par lequel vous reconnaîtrez le Messie. Amen. Ah, je ne sais pas pourquoi ces choses, je ne sais pas comment apporter ça. Les gens refusent simplement. Ah. C'est la maladie de ça, c'était la mort de Jésus. C'est ce que les insectes ont fait. Ils ont introduit les dogmes, les crédules, les concepts mondains. Voilà. C'est ce qui produit la maladie aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Parce que les pentecôtistes ont un autre concept des prophètes. Quand on prend un prophète, ils voient un homme avec des robes, avec des sandales. Alors quand vous leur présentez un prophète avec une cravate, ils disent non, il n'est pas prophète. Malgré la confirmation que la colonne de feu refuse. Ils se mettent à critiquer la colonne de feu. C'est un problème de concept. Les œuvres sont l'expression, et sont la foi. Exprimé. Or, 335. Or, ce messager a fait quelque chose. Il a parlé d'une femme à qui il avait tourné le dos. Et à qui il a dit qu'elle doutait de ce qu'il disait. Il lui a dit son état et ce qui allait arriver. Pas vrai? A-t-il dit que le fils de l'homme se révélerait de la même manière en ces temps-là? Eh bien, croyez-vous que c'est la vérité? Eh bien, une femme se tient ici. Et dans l'union invisible de l'Église, de l'épouse avec elle, Christ. Dans le mariage autogamé. Parce que les femmes ne veulent pas quitter la scène sans célébrer le mariage. C'est sur ce signe qui nous montrait qu'il y avait mariage. Le signe nous a montré que Jésus était encore de nouveau parmi nous. Qu'il n'était plus dans la tombe. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8, la clé de voûte. Tournez le regard vers Jésus. 311. Il dit, ce qu'il était quand il marchait en Galilée, c'est exactement ce qu'il est ce soir à Jeffersonville. C'est exactement
voilà ce qu'il est au Branham Tabernacle. Quand vous regardez, qu'est-ce que vous attendez à voir? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Bof. Amen. Quand tu regardes, tu vois quoi? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Vas-y. Est-ce que vous regardez en vous attendant à voir quelqu'un à la lune très sacerdotale? Il dit, vous ne verrez jamais ça en Jésus. Amen. Il dit non, le frère Branham n'était pas le messager de la Odyssée. Lui, il refusait carrément. On lui a dit, c'était qui? Il dit,
c'était Dieu lui-même. My. Et Dieu, la femme me fait écoller. Bon, je crois pas comme lui. Hein. La femme de Frère Collins, le pasteur de Branham Tabernacle était malade. On appelle le frère Sotman. Il dit, j'ai prié pour la dame. Il dit, vous savez comment c'est que j'ai prié? Il dit, j'ai prié au nom de Frère Branham. Il dit, vous savez ce qui s'est passé? Elle est guérie. Le frère Branham s'est appelé tout cet temps. C'est la prière qu'il avait faite. Amen. Dans sa compréhension. Amen. Parce qu'il avait vu les choses. Il dit, quand le frère Branham était revenu de la montagne, il avait les yeux révisés. Il y avait des blancs, il était comme ça. On l'a amené dans la voiture. Frère, les gens ils se sont promenés avec Dieu lui-même. Le frère Branham était la résurrection de Jésus sur la terre. D'ailleurs, il dit qu'il avait beaucoup de succès dans son ministère que dans son propre ministère. Amen. Un Dieu qui vient qui vous crée les écureuils, ça ne vous dit rien. Qui est les écureuils? Qui est les écureuils? Qui est les écureuils? Ça ne vous dit rien. Est-ce qu'un homme peut créer? Non. Vous ne voyez pas les Dieu lui-même dans sa plénitude? Bien sûr. Mal. Adonne va tout donner. C'est le lever du soleil. Non, les signes. Alors, Dallas. 159. Il dit, c'est même Jésus-Christ est ici. Il est le messager. Voici le message. Il est le messager. Ici pour identifier son message. Je ne suis pas le messager. Hein? Là, il parle de la sainte. Il ne parle pas de la révolution. Il parle maintenant de la sainte convocation. Parce que dans la pierre de fête, le frère maintenant finit son travail là. Yes, le messager de la Odyssée, quand j'ai fini de terminer. Mais là, quand on entre dans la pierre de fête, le messager c'est Christ lui-même. Yes, mais qui s'incarne dans le ministère du frère Branham. Amen. Amen. Je ne suis pas le messager. Il est le messager. Et ceci est le message. Et si l'esprit que vous avez est en désaccord avec ceci, comment peux-tu être le messager du message? Il n'y a que les signes qui peuvent l'identifier. Amen. Rien d'autre. Il est identifié par les signes. Il n'est pas identifié par le corporal body, mes frères. N'attendez pas ça, non. C'est le signe. Et quand vous voyez le signe là, en ce moment-là, vous saurez que Christ est sur la terre. Et quand il revient comme ça, il vient pour vivifier vos corps mortels. Maintenant, vivifier, c'est un problème. Donc, il faut faire, il faut, notre devoir, c'est d'expliquer les mots, chaque mot. C'est ça le problème aujourd'hui. Il faut expliquer chaque mot selon le frère Branham. Maintenant, on a aussi parlé des bénéfices de la Pâque. Quand la Pâque arrive, c'est pourquoi moi je ne crois pas dans la grâce infinie. Moi je crois que la grâce est réversée. Quand la parole vient, ça doit produire la vie de Christ dans le corps. C'est ça vivifier le corps. Frère Branham dit, on doit être assujetti à la parole. Vivre selon la parole de Dieu. C'est ça l'importance de la parole. Sinon, ça serait que des slogans. Jésus est venu, c'est bien. Il y a le soleil, le vent, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Pour clôturer. Si l'esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts, ça c'est vraiment utile. La parole de la dynamique, la dynamique de la parole habite en vous. Il vivifie aussi votre corps mortel. Maintenant, comment donc nous sommes chers de sa chair et os de son os? C'est parce que, rapidement, lors même que nous sommes encore des pécheurs mortels, sur le point de mourir, ses corps les sont et vivifient ses corps. Vivifier, c'est quoi? Rendre la vie. L'esprit qui autrefois aimait boire, sortir, commettre adultère et toutes ces choses, il est vivifié. Eh bien, cette chose-là est morte et vous êtes ressuscité. Il vivifie votre corps mortel. C'est ça. Et vous êtes ressuscité. Oui. La ressurrection, c'est simplement quitter ce que tu faisais et prendre ce qui est la parole de Dieu. Yes, sir. Ah. Yes, sir. Prendre la parole de Dieu. C'est, ah, c'est ça la résurrection. Yes, donc, nous, on a simplement le premier concept. La raison de toute cette discussion que nous avons dans le message, c'est le concept. Voilà. Moi, j'ai compris ça. Si tout le monde veut prendre le concept de faire, voilà, ça serait
Est-ce que ici, pour être vivifié, vous mourrez? Non. 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 Vous arrêtez simplement de boire. Uh-huh. Vous arrêtez de faire les choses que vous faisiez avant. À ce moment-là, vous êtes vivifié. Parce que le soleil ne peut pas descendre sans vous vivifier. Non. Vous devez germer parce que vous êtes une semence. Vous devez vous manifester. Si c'est la semence, quand on plante des semences ici, on ne saura pas quelle semence. Mais lorsqu'il y a le soleil et que vous arrosez avec l'eau de la parole, après la venue du soleil, ça va se manifester. Alors on saura, ah, ça c'est mangué. C'est pourquoi on dit que au lever du soleil, il n'y a pas que les semences de Dieu qui germent. Il y a aussi les semences du diable qui germent. C'est pourquoi vous voyez, il y a des grandes batailles. Comme le frère Nathan chanté. C'est là mon tango, moi je suis comme un macassi. Mais quand tu as dit ça, l'olengé, amen. Une fois je parlais avec le pasteur, il me dit non frère, quand on avait commencé ce message, frère, c'était bien, il y avait l'amour entre nous, mais maintenant les gens se chamaillent. Je lui dis pasteur, ne t'inquiète pas, c'est simplement le lever du soleil. Chaque semence est en train de se manifester parce que la pyramide est en train de se rétrécir. Aujourd'hui on commence à voir les gens qui avaient une grande église, ils ne peuvent pas voir la peinture et le prophète. Donc cela dit qu'il n'a jamais cru le message. Je vous dis ce qu'il veut. Amen. Parce que la parole ne se mesure pas par le nombre de membres à l'église. Non, monsieur. C'est là où on parle de nombre de sommatoires. Le saut Branham n'a pas été posé pour les autres. Branham est toujours un saut. Quand vous voyez un homme de quelqu'un comme ça, vous pensez que c'est juste un homme. Ah, c'est juste un homme. Vous avez mis non. Est-ce que le verre s'est cassé? Jamais. On a fait des histoires dans la vie. On est des pécheurs. Mais lui, Dieu l'a surveillé durant toute sa vie. Pourquoi? Yeah. Parce que lui, il était une jambe agitée. Yeah. Lui, il était la montagne de Garissim. Par lui, la bénédiction devait être déversée dans le peuple. Amen. Amen. Dieu l'a élevé dessus de nous tous pour lui donner un message pour se remplir lui-même. Et pour quoi? Pour s'engouffrer majestueusement en lui. Afin que lui puisse être la tête là où on verse les ruines. Ça descend de la barbe, ça descend jusqu'au pain, et ça va. Amen. Amen. Par conséquent, c'est le lever du soleil. Ça, c'est mon souci. Par conséquent, votre corps est le temple de la dynamique. Parce que quoi? Depuis le commencement, vous êtes une partie de la mécanique. Frère Branham tape une fois dans ses mains. Voilà. Voilà l'église dans la résurrection avec lui. C'est pourquoi je dis quand le lever du soleil arrive, ça produit la résurrection. Amen. Donc ça vous fait sortir. Donc la même frère m'a dit quand Jésus était dans la tombe, nous étions avec lui. Ça dit que quand il était dans la tombe des anges de l'église, nous étions avec lui. Donc quand Jésus est ressuscité de mort, nous aussi nous sommes ressuscités de mort. On ne peut pas parler de la résurrection de Jésus Christ sans que nous soyons ressuscités. Amen. De la même manière, Jésus est ressuscité. Nous aussi, nous sommes ressuscités. C'est la parole en nous qui renaît. C'est ça la résurrection. Yes, mais quand à ce corps, ça appartient à la terre. Yes, c'est ça la rédemption. Ramener à l'original. Amen. Le corps vient d'où? De la poussière. Yes, ça doit retourner dans la poussière. Mon âme sort d'où? De Dieu. Ça doit repartir en Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est simple, non? Yes, sir. Hey. Ce corps maintenant même. Ils sont vivifiés. Voyez-vous, vous avez entendu, vous croyez? Cela vous a transformé. Vous êtes passé, écoutez, d'une dénomination à la parole. Amen. Donc c'est ça, passer de la mort à la vie. Il y a mon gars, non? C'est tout. C'est simple. Amen. Dieu s'est caché, s'est levé dans la simplicité. Vous savez, cette chose, je l'avais dit une fois. Je l'avais dit comme ça. J'ai dit, vous passez de la mort à la vie. Après, j'ai compris. Vous passez de la dénomination à la parole. Après, je lui ai gardé la tête. Il a dit, oh, okay. Après, j'ai vu ça ici. J'ai dit, amen, j'étais dans la pensée du maître. Amen. J'ai senti la clôture. Vivant mourant, le dimanche, le 29 mars 59. Ça, c'est ma dernière situation. C'est la prière de faire. Il dit, pardonne-nous nos transgressions maintenant, Seigneur. Et puisse ceci être une vraie Pâque. C'est là où j'ai pris le titre. Amen. Que ceci puisse être une vraie Pâque pour quelques-uns d'entre nous.
auprès de nous. Et quand à ceux qui n'ont jamais connu ce que sont les bénédictions de Pâques, puisse Christ s'est levé aujourd'hui dans leur cœur, leur donnant une nouvelle espérance, une nouvelle vie. Montre-leur les calvaires, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà le lever du soleil. Amen. La résurrection de la parole. Mm. Le retour de la parole. Amen. Le retour de cette sorte. Ça illumine nos cœurs et ça vivifie nos corps mortels. C'est-à-dire yes, qu'on abandonne ce qu'on avait, ce qu'on faisait avant. Yes, et nous vivons maintenant dans la conformité de la parole de Dieu. Yes, c'est ce que nous appelons la grâce redressée. Ah, moi, je ne crois pas dans la grâce infinie. Quand nous devons commencer à voir, vivre n'importe comment, parce que nous sommes déjà sauvés par la prédestination. Non, monsieur. Non. Si vous êtes une partie de Dieu, vous allez faire les choses comme un Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse jamais la parole, frère Frédéric. Alléluia. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Yes, est-ce qu'il y a des bénéficiaires de sa résurrection? Amen. Je peux voir vos mains. Amen. Est-ce qu'il y a des preuves de sa résurrection? Amen. Ah, que le Seigneur soit béni. Donc vous voyez, j'ai aimé le mot bénéfice, bénéficiaire. C'est très important. Vous voyez, lorsque nous sommes en hiver, il y a toutes choses, n'est-ce pas? Mais en hiver, il y a des briques, Donc lorsqu'il y a maintenant lorsque maintenant le printemps arrive, lorsque le lever du soleil commence à se manifester, et que vous voyez qu'une plante qui était morte en hiver, vous voyez cette plante-là, après le lever du soleil, la plante ne revient pas à la vie. Ça ne bourgeonne pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de vie dans cette plante. Amen. Il n'y a pas de vie dans cette plante. Le lever du soleil ne bénéficie pas aux pierres. Vous voyez les moineaux. Les moineaux aussi, ils attrapent aussi le soleil. Mais dans le moineau, il n'y a aucune semence. Amen. Amen. Le moineau ne bénéficie rien du lever du soleil. Amen. Mais il y a la semence. Là, il y a la semence, donc le blé, parce que le blé doit aller dans les greniers. Dans la parabole donc, de l'ivraie et du blé. Je veux que vous puissiez remarquer que le soleil était là pour toutes les deux semences. Amen. La pluie était là pour toutes les deux semences. Et Abraham dit que lorsqu'il n'y avait pas de pluie, et livré, et le blé, fané, ils étaient en train de pleurer, oh Dieu, envoie-nous. Et lorsque Dieu envoyait la pluie, et livré, et le blé, on s'y saute. Alléluia, alléluia. C'est là à profiter. Ça amène toutes choses à maturité. Ça amène toujours à maturité, mais le blé a une destination. Le blé part quelque part. Et livré, c'est pour vous. Le feu. Amen. Donc nous devons. Donc cette résurrection de Jésus-Christ se passe dans vos vies. Amen. Amen. La tombe véritable, c'est la tombe dénominationnelle. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi le frère Branham accomplit Apocalypse 18, 4. Sortez du milieu d'un mort peuple. Amen. Vous sortez de cette confusion. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons commencer à nous donner un petit devoir. Ou au moins chaque jour, vous prenez le message, vous prenez plus qu'un seul concept que vous connaissez des choses de Dieu, vous essayez un peu de voir qu'est-ce que le frère Branham a dit par rapport à ce concept-là. Parce que vous voyez, lorsque nous faisons des phrases, les phrases, ça, c'est avec beaucoup de mots. Or, chaque mot que nous plaçons dans une phrase amène beaucoup de choses derrière. Alors, si par exemple, le frère parle par exemple de vivifier, si vous n'avez pas la compréhension ou le concept qu'il a de vivifier, vous ratez toute la phrase. Yes. Voilà, même lorsque vous chantez des chansons, il y a des gens qui se réjouissent, c'est cela qui se réjouissent, pas des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que dans chanter les chansons, il y a des mots que nous chantons. Et ces mots-là, si vous avez le véritable concept derrière vous, ça vous vivifie. Amen. Ça vous ramène à la vie. Amen. On ne peut pas parler, voilà,
gens font maintenant des choses qui sont contradictoires. Vous ne pouvez pas parler du lever du soleil et attendre la résurrection. Donc les gens qui ne croient pas que la résurrection a eu lieu, ils ne croient pas dans la prédication, c'est le lever du soleil. Ils ne croient pas. Parce que le lever du soleil doit ramener les semences qui étaient en terre à se manifester. Amen. Or, c'est ce que vous, vous êtes. Amen. En vous, il y a cette sémence attribut de Dieu. Yes, depuis que vous étiez né, cette sémence était en vous sous l'état latent. Amen. Vous comprenez l'état latent? Voilà pourquoi le frère me dit que il croit qu'au commencement, lorsque les eaux couvraient la terre, les sémences, Dieu les avait déjà enfouies dans la terre. Amen. Vous comprenez ça? Ça, il parle de vos vies. Amen. Les sémences étaient déjà enfouies sur la terre. Il fallait maintenant seulement ôter l'eau. Amen. Amen. Et que la lumière soit, amen, que la lumière puisse frapper la semence qui est à l'intérieur. Amen. Et cette semence-là, si c'est une semence de Dieu qui reconnaît ce soleil-là, cette semence-là doit être vivifiée. Amen. Ça doit ramener, être rendu à la vie. Or, nos vies telles que nous sommes ici, depuis que nous sommes venus, il y a une sémence, une parole de Dieu. Cette parole de Dieu devait se manifester. Amen. Mais cette parole de Dieu, à cause de votre ignorance, à cause du flou qu'il y avait sur votre vie qui vous couvrait, cette sémence-là ne pouvait pas se manifester. Elle était sous l'état latent. Elle était là, elle ne pouvait pas se glorifier. Amen. 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 Elle ne pouvait pas se manifester. Maintenant, lorsque maintenant, la lumière. Amen. Voilà pourquoi vous avez trouvé des gens, vous voulez parler du message, ça ne fait rien. Vous voulez parler du frère, ça ne fait rien. Vous voulez parler de tout, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a pas un attribut de Dieu. Amen. En eux, il n'y a aucune sémence à être vivifiée. Amen. Amen. Mais pour tout enfant de Dieu qui a cette sémence, il suffit qu'il y ait la lumière. Voilà pourquoi le frère, il y a un homme qui est, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Amen. Et c'était comme ça, c'était laissé sous l'état latent. Durant la dénomination, il n'y avait, c'est ça la mort. Le quatrième sol, je dois lui dire que le cheval va s'appeler la mort. La mort. Au début, on n'a pas donné son nom, mais à la fin, on dit qu'il s'appelait la mort. Après, on dit que c'est l'organisation. L'organisation. Organisons-nous, pour nous, l'enlèvement, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous mourons. Pour nous, la résurrection, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous mourons. Or, Dieu, il veut rester en vous. Or, Jésus, il est toujours. On t'a donné ça ici, non? Si vous voulez bien comprendre...